Ganga Maiya, Hey Ganga Maiya, Mata Tumara Nibasa, Ganga. En prose ou en vers, en chanson ou en poème, l'Himalaya a toujours été célébré avec faste. Avalanche de superlatifs pour ses sommets et ses hautes vallées où s'écoule le Gange. Des lieux considérés par la majorité des Indiens comme la demeure des dieux. Mais depuis quelques années, le regard poétique des écrivains voyageurs est supplanté par celui plus pragmatique des scientifiques. Pour eux, le toit du monde serait de plus en plus vulnérable au changement climatique. Avec la fonte de ces glaciers, l'Himalaya serait-il le seul à souffrir? Depuis des années, l'Inde est confrontée à d'autres fléaux. Cyclones, de plus en plus violents et fréquents. Inondations et leur lot de drames. Sécheresse et son cortège d'effets funestes. Érosion et salinisation des terres. L'Inde serait-elle un pays en sursis? Notre voyage débute au cœur de la chaîne de l'Himalaya. Pour se rendre au parc national de Gangotri, une seule route, à flanc de montagne. À peine 100 km nous séparent de l'un des plus grands glaciers de la planète. Il nous faudra pourtant 5 heures pour y parvenir. Auparavant, et à 3 reprises, notre voiture est bloquée. Cette fois-ci, c'est un rocher qui menace à tout moment de se détacher. Glissement de terrain, coulée de boue. Pendant la période de la mousson, la saison des pluies, de tels événements sont de plus en plus fréquents. Dans ce voyage, nous sommes accompagnés par Arshvanti Bisht, membre en 1984 d'une expédition indienne vers l'Everest. Aujourd'hui, c'est la passionnariat de l'Himalaya. Ces glissements de terrain sont dus à l'érosion des routes, au projet de barrage sur le Gange, à cause aussi des gros camions. Et en dehors de ça, le réchauffement climatique accélère ces glissements de terrain, ces inondations et ces pluies torrentielles. Parfois, c'est aussi très sec, sans pluie. Tout le cycle climatique a été bouleversé. Les pluies ne viennent plus quand elles sont attendues. Quand elles tombent, il y en a beaucoup trop d'un coup. Voilà pourquoi tout cela s'est produit. Les secours ne viendront pas. À la main, pierre après pierre, des volontaires dégagent la voie. Comme nous, ils se rendent dans l'un des sites les plus sacrés de la religion hindoue, le temple de Gangotri. C'est aussi depuis cette ville que commence le pèlerinage vers le glacier et vers Gomukh, la source du Gange. Ils sont situés à plus de 25 km d'ici. Ces eaux glacées jaillissent des entrailles de l'Himalaya. Dans la mythologie hindoue, c'est au cœur de ces contreforts que le Gange serait tombé du ciel pour se répandre à la surface de la terre. Passage obligé, le temple. Lady Arshvanti a droit, comme à chaque fois, à un traitement spécial. Son combat pour préserver l'Himalaya est connu de tous. Elle a côtoyé les plus grands, Indira Gandhi ou son fils Rajiv, qui ont dirigé l'Inde. Un rituel. Ces cloches doivent sonner fort et loin pour colporter de bons présages. Chaque année, près de 150 000 pèlerins viennent ici rendre hommage à la déesse Ganga, la déesse du Gange. Après un bain rituel,
l'ascension peut débuter. Sur ce chemin sinueux, nous ne croisons personne ou presque. Nous entrons dans le parc national de Gangotri. Depuis 2007, il n'est plus accessible qu'à 150 personnes par jour. Un quota pour limiter la détérioration du site et de son écosystème. Quel genre d'animaux trouve-t-on ici? Des mouflons, des ours noirs, des ours bruns. Nous ne les trouvons pas ici, mais quand nous traversons la rivière, nous pouvons voir ces ours. On dit aussi qu'il y aurait des léopards des neiges. Et en plus de ça, il y a des renards, des écureuils, des singes et des oiseaux. C'est donc un très bel écosystème, mais il est très fragile. À cause de l'attitude peu scrupuleuse des gens, l'écosystème est perturbé. Mais j'espère que l'Office des forêts va durcir le ton et permettre ainsi la préservation de tout cela. J'espère que les choses vont s'arranger. C'est un écosystème très délicat, mais nous devons le préserver pour les générations futures. Pour ce docteur en économie, passionné de botanique, protéger ces lieux, c'est accomplir son dharma, son devoir religieux. En 1992, elle crée une pépinière, son jardin d'Éden. Mais chaque année, elle doit renouveler son autorisation d'exploitation. En quelques années, elle plante 10 000 arbres. Elle lutte ainsi contre la déforestation. Ensuite, elle expérimente la production de plantes médicinales. C'est la pépinière de Charbassa. Elle se trouve à 3700 mètres d'altitude. J'ai planté des Petula utilis, des bouleaux de l'Himalaya et des saules. À part ces espèces, je travaille sur des herbes médicinales, des herbes qui peuvent être produites dans l'Himalaya. C'est du kutki, très bon contre les problèmes d'estomac et la fièvre. Cette plante est connue sous le nom de Atis. C'est très rare et c'est aussi protégé car ça disparaît doucement. Je la cultive aussi. Le réchauffement climatique s'installe, les forêts sont coupées. Il y a désormais beaucoup plus de carbone. Et à cause de cela, les glaciers fondent. Et comme ils fondent, ils reculent. Le retrait progressif du glacier, c'est aujourd'hui sa préoccupation majeure. Mais elle n'est pas la seule au chevet du Gangotri. La route est encore longue. Nous devrons attendre le lendemain pour reprendre notre ascension. À mi-parcours, les experts en glaciologie ont installé leur camp de base et leurs instruments de mesure. Leurs observations sont gravées sur la roche. Un livre ouvert qui répertorie les retraits les plus importants du glacier de 1891 à 1966. Les voici résumés ici de 1780 à nos jours. Le glacier a reculé de plus de 2 km. Cette régression va-t-elle se poursuivre et à quel rythme? Les spécialistes les plus pessimistes évoquent une disparition probable du glacier dans une petite centaine d'années. Malgré des recherches poussées, un épais brouillard enveloppe encore l'avenir de ce glacier. Regardez, la neige qui alimente les rivières vient du glacier Gangotri. Le long de ces glaciers, il y a de nombreux sommets. Les flancs des montagnes témoignent de la façon dont le recul et la dépression des glaciers se sont passés à différentes époques.
Avant de parvenir au pied de ce glacier, le pèlerin doit de nouveau s'incliner. Ici, elle prie la déesse Ganga. Je prie. Je prie pour le bien-être de l'humanité. Je prie aussi pour que chacun de nous prenne conscience de la richesse qui nous entoure. Je prie pour que les dieux nous soutiennent aussi dans nos épreuves. Entourée d'un nombre impressionnant de sommets à plus de 6000 mètres, la voici enfin, cette source du Gange, Gomukh. Nimbé de légendes et porteur d'espoir, le fleuve sacré entame là son long voyage, plus de 2500 kilomètres vers le golfe du Bengale. À partir de là, seuls les Sherpas et les montagnards aguerris prennent le risque de s'aventurer plus haut. Yoshi arpente ces lieux depuis plus de 20 ans. Il connaît chaque piège, mais la fonte des glaces en révèle chaque jour de nouveau. Ce sont des crevasses. C'est très dangereux. Avant, il y avait un chemin, une bonne route. Mais maintenant, c'est très dangereux. Mais regardez, écoutez le son que ça fait. Je pense que nous devrions redescendre. Chaque année, le glacier perd donc du terrain. En moyenne, pas moins de 23 mètres. Et dans la chaîne de l'Himalaya, ce n'est pas le seul. Nous sommes au centre de glaciologie indien. Une dizaine de chercheurs travaillent sur la fonte des glaciers de l'Himalaya. Ce centre d'études a été créé en 2002. Vous voyez, mes collègues rentrent juste de l'un des glaciers que nous étudions. Et vous savez, nous avons deux glaciers que nous suivons particulièrement. Le glacier d'Okhrani et celui de Shorabari. Et là, quel est le recul? À Dokhrani, nous avons constaté que dans les 20 dernières années, le glacier a reculé en moyenne de 17 mètres par an. C'est beaucoup. Oui, c'est beaucoup. C'est ce qui arrive partout dans le monde. Nous ne démentons pas que ce recul est important et qu'il y aura de graves incidences sur l'état du glacier. Mais nous ne pouvons pas encore conclure que c'est lié au réchauffement climatique. Ailleurs dans le monde, d'autres experts font un lien direct entre le recul des glaciers de l'Himalaya et le réchauffement de la planète. Ici, on préfère attendre plutôt que de livrer des conclusions partielles. En revanche, les conséquences sont d'ores et déjà connues. Les glaciers sont très importants dans le monde, mais plus encore ici, dans l'Himalaya, car la majorité des fleuves qui sont alimentés par ces glaciers de l'Himalaya sont essentiels à la vie des populations qui vivent dans le sous-continent. C'est la source essentielle pour l'agriculture, pour les barrages électriques et aussi pour l'eau potable. Avant d'aborder ses conséquences, retour au cœur de l'Himalaya. Nous comprenons alors que pour les hindous, la fonte des glaciers et son corollaire, la disparition du Gange, serait un drame. Dans la mythologie hindoue, le Gange est ce qu'il y a de plus sacré dans l'univers. C'est donc sacré pour chacun d'entre nous. Les eaux du Gange sont tellement pures que si vous les conservez des centaines d'années dans une carafe, elles seront toujours aussi pures. Plus bas, à 200 km en aval du Gange, la ville d'Haridwar, un autre lieu saint. C'est un peu la Mecque locale. Chaque jour, au coucher du soleil, ils sont des milliers à se presser dans les eaux sacrées du Gange. Cette immersion
lave tout croyant de ses péchés. Pourquoi vous baignez-vous dans l'eau du Gange ? C'est une question de spiritualité, d'esprit et de pensée. On se purifie. C'est pour nous le fleuve le plus sacré. Il porte en lui toutes nos croyances. Depuis des temps immémoriaux, le Gange est vénéré par des centaines de millions de fidèles. Tous les fleuves en Inde sont en danger. En fait, c'est la planète qui est en danger. C'est la faute au réchauffement climatique et à la fonte des glaciers. Les fidèles ne sont pas les seuls à connaître ces dangers qui planent sur le Gange. Même les religieux le savent. Si ça continue comme ça, le Gange disparaîtra de notre planète. De sa source jusqu'au golfe du Bengale, notre fleuve est menacé. S'il disparaît, il n'y aura plus de plantes, plus d'arbres, plus de forêts. C'est la forêt qui nous protège. Si elle est rayée de la carte, c'est notre planète qui sera détruite. Le Gange s'écoule sur plus de 2500 km. Il ne semble pas troublé par les enjeux de son destin. La fonte des glaciers de l'Himalaya risque pourtant d'avoir de graves conséquences sur les 500 millions d'Indiens qui dépendent directement des eaux du Gange et du Brahmapoutre, l'autre grand fleuve qui prend également sa source dans l'Himalaya. L'eau, le feu, l'air, la terre et le soleil sont les éléments fondamentaux de la religion hindoue. Le lendemain, on annonce une éclipse totale. Pour les hindous, c'est signe de malédiction, d'apocalypse. Cette fois-ci, il n'en sera rien. Mais dans les rues d'Haridwar, pour la première fois, la réalité brute d'un quotidien en survie nous saute aux yeux. Dans chaque ville sainte, les mendiants se comptent par centaines, parfois par milliers. Aujourd'hui, en Inde, plus de 600 millions de personnes vivraient sous le seuil de pauvreté. Dénuement extrême, avec moins de 60 roupies, moins d'un euro par jour. Cette population particulièrement vulnérable se trouve en majorité dans les zones rurales. Des centaines de millions d'Indiens dont la survie dépend du ciel. Avec ce climat qui devient de plus en plus instable, leur avenir est loin d'être dégagé. En cette période de mousson, tous ces champs devraient être verts. Mais la pluie, d'habitude abondante, se fait attendre. Il ne pleut pas. La mousson a déjà plus d'un mois de retard. Quels sont les changements que vous constatez ? En ce moment, il devrait pleuvoir, mais cette année, nous n'avons pas eu une seule goutte de pluie. Si seulement il avait plu à temps, on aurait pu faire une bonne récolte. Mais ce n'est pas le cas. Normalement, pendant la saison des pluies, j'ai de l'eau jusqu'aux genoux, jusque-là. Image trompeuse. Pour cette saison, Ublal Chauhan a dû utiliser une pompe à eau. Acheté à crédit, il aura du mal à assumer les prochaines échéances. Des surcoûts qui compromettent la rentabilité de son exploitation. Deux années consécutives de sécheresse. Dans la région, tous les paysans sont dans la même situation critique. L'eau devient une denrée trop rare. Impossible d'irriguer tous les champs. Dans son village, Ublal Chauhan est l'un des rares à savoir lire et écrire.
Depuis 3 ans, il est membre d'une ONG qui tente de sensibiliser les paysans aux enjeux des changements climatiques. De village en village, il porte la parole des scientifiques. Quelques mots pour expliquer ce phénomène à un grand nombre d'agriculteurs. Je voudrais vous parler du changement climatique. Que se passe-t-il ? En été ou en hiver, comment peut-on faire la récolte ? Avec cette mousson détraquée, comment faire ? Quand il doit pleuvoir, il fait chaud. Et quand il doit faire chaud, il fait froid. Et quand il fait froid, il pleut. En fait, à la source des fleuves, dans l'Himalaya, les glaciers fondent rapidement. Il y a donc une montée des eaux. Explication parfois sommaire. Ublal Chauhan cherche juste à les convaincre que le rythme des saisons et des récoltes va être bouleversé, qu'il faudra s'adapter. La vie au village ne sera de toute façon plus comme avant. Pour tous ces paysans, le défi majeur reste la gestion de l'eau. Les études montrent que la température pourrait augmenter de 2 à 3 degrés d'ici à 2050. Les pluies, elles, pourraient diminuer de 8 à 10%. Conséquence, une perte de revenus de l'ordre de 10 à 25%. La plupart des États indiens seront touchés par des sécheresses de plus en plus violentes. Depuis 40 ans et la révolution verte, la réforme agraire, l'Inde n'a jamais été confrontée à un tel défi. Shiraz Waji est le président d'une ONG qui travaille directement avec les agriculteurs. Avec ses équipes, ce professeur d'écologie parcourt la campagne indienne pour montrer qu'il est possible de s'adapter aux caprices du climat. Que penses-tu de la météo ? Est-ce que tu vois une différence entre avant et maintenant ? Avant, tout était simple. Il y avait la mousson, l'hiver, et la mousson, l'été. Maintenant, s'il fait chaud, il fait chaud beaucoup plus longtemps. Regarde, c'est la saison des pluies, et il fait très chaud. Dans plusieurs villages du nord de l'Inde, Shiraz Waji expérimente d'autres méthodes de culture, comme ici. Voilà, c'est la manière dont ils pratiquent maintenant l'agriculture. Ce sont des plantations sur plusieurs niveaux. Dans cette partie la plus basse, ils cultivent des piments. Donc le premier niveau, ce sont des piments. Le deuxième et le troisième niveau, ce sont des oignons et de la coriandre qui viennent juste d'être ramassés. Et vous voyez, au dernier niveau, ce sont des papayes. Si les 2500 fermiers de ce village écoutent les conseils de Shiraz, ils s'en remettent aussi à leur dieu hindou, représenté ici par un éléphant. Vous voyez ces éléphants ? C'est parce que les habitants croient qu'ils protègent leur village et qu'ils vont aider les paysans. Les villageois pensent ainsi qu'ils sont sous la protection des dieux. Deux fois par an, il y a une procession qui est organisée dans les 6 districts autour. Et ce culte leur permet de faire face aux problèmes auxquels ils sont confrontés. Du Punjab à l'Uttar Pradesh, les deux greniers à blé du pays, la situation se dégrade de jour en jour. Dans certains districts, le gouvernement a déjà décrété l'état de catastrophe naturelle. La mousson a plus d'un mois de retard et les prévisions météo ne sont pas très optimistes. Ashok Srivastav est aujourd'hui à la retraite. Chirurgien orthopédiste, il s'occupe désormais de ses villageois qu'il considère comme ses enfants. Tu es entré quand ? Mais dis-moi, tu as des cheveux blancs, on dirait. Ici, tous l'appellent Baba, Papa. Un surnom affectueux pour celui qui est leur bienfaiteur. Cela fait 5 générations que ces fermiers sont au service de la famille du docteur Ashok.
Nous sommes à Gramdavar. C'est le village de mes ancêtres. Je vous emmène dans ma ferme pour voir mes terres et mes cultures. 16 acres, un peu plus de 6 hectares. Ces autres terres ont été redistribuées aux paysans du village. C'est sec. Nous attendons la pluie. Et que pensez-vous? Il va pleuvoir aujourd'hui? Nous espérons qu'il pleuve, sinon nos récoltes vont se perdre. On avait l'habitude de voir les premières pluies à la fin juin. Là, c'est la fin du mois de juillet et pas de pluie. Et qu'allez-vous faire? On ne peut que prier Dieu. Que peut-on faire? Rien d'autre, vraiment? Rien d'autre. Vous ne pensez pas que le gouvernement peut vous aider? Si Dieu ne nous aide pas, qui d'autre peut nous aider? Dans ce village, on croit également au dieu éléphant, Smaimai, le seigneur du temps. Avec les années et les aléas climatiques, il est devenu le dieu des saisons. Aujourd'hui, c'est le docteur Ashok qui veille à la bonne santé des villageois. Mais la population est vieillissante. Les jeunes partent ailleurs, vendre leurs bras, leur force de travail, en ville ou à l'étranger. Moi, j'ai qu'un seul fils. Deux enfants. Et il est parti pour Braoudan. Et pourquoi est-il parti? Pour gagner de l'argent. Avec ce climat qui change, ils n'auront bientôt plus de quoi manger. Ils vont tomber malades. Malnutrition. Ils vont mourir. Personne ne veut mourir. Ils veulent juste survivre. Survivre par n'importe quel moyen. Vous voyez cette femme? Elle est veuve. Son mari est mort dans un accident de voiture. Et vous allez l'aider? Bien sûr que je vais l'aider. Tant que je suis vivant, elle n'aura pas de problème. Vous leur avez dit quoi? Je leur ai dit, tous mes vœux vous accompagnent. Il va pleuvoir, ne vous inquiétez pas. Dieu est avec nous et pour chacun d'entre nous. Que dire d'autre? Je dois les rendre le plus heureux possible. Rien de plus. Une responsabilité qui se transmet de père en fils. Mais les deux enfants du docteur Ashok n'ont pas l'intention de reprendre cette charge familiale. Après leurs études à l'étranger, ils se sont installés aux États-Unis. Sur la table, les produits proviennent tous de ces terres. Mais jusqu'à quand? Le docteur Ashok est pessimiste, tant sur l'avenir de l'agriculture que sur l'économie de son pays. Beaucoup de nos industries vont perdre leur activité. Essentiellement à cause des sécheresses à répétition. Le secteur des transports va décliner. Les commerces vont s'effondrer. Le pays va perdre ses réserves d'argent. Tout le monde, directement ou indirectement, va souffrir de cette situation. À cause des changements climatiques. Oui, c'est ça. En 2030, il y aura 1,4 milliard d'Indiens. Comment, dans ces conditions, nourrir une population qui va dépendre de plus en plus des aléas climatiques? Nous sommes allés voir le docteur Rajendra Kumar Pachauri.
Cet Indien préside depuis 2002 le GIEC, qui en 2007 a obtenu le prix Nobel de la paix. Le groupe d'experts internationaux travaille sur l'évolution du climat. Le docteur Pachauri est pessimiste. Nous avons clairement montré que la fréquence, la durée et l'intensité des inondations, de la sécheresse, des vagues de chaleur et des épisodes extrêmes de pluie, c'est-à-dire des très fortes précipitations, en un minimum de temps, tous ces phénomènes vont s'accentuer. Et bien sûr, cela va provoquer des problèmes majeurs et des catastrophes dans certains cas. Cela veut dire que la situation peut empirer ? Oui, bien sûr. Si nous ne faisons rien, si les changements climatiques continuent, si nous n'apportons aucun remède, alors la situation va vraiment s'aggraver. L'Inde est attaquée de toutes parts. Fonte des glaciers et sécheresse au nord. Mais qu'en est-il au sud ? Nous reprenons le fil du Gange. Le fleuve sacré poursuit sa course du nord au sud, du cœur de l'Himalaya jusqu'au golfe du Bengale. Nous arrivons dans les Sundarbans, une région classée au patrimoine mondial de l'UNESCO. Un archipel que se partagent l'Inde et le Bangladesh. Arup Pramanik navigue dans ces zones du delta depuis près de 20 ans. Depuis quelque temps, il a du mal à se repérer. Ce jour-là, il nous emmène dans l'île où il a vécu toute son enfance. Pour l'apercevoir, il faut attendre la marée basse. Un gymkhana aquatique où il faut éviter les pièges. J'essaye d'éviter les bancs de sable. Hein ? L'Oachara, son île natale, n'est visible aujourd'hui qu'à certains moments de la journée. Voilà, ici c'est l'Oachara. L'île commence ici et s'étend jusqu'à Goramara. Actuellement, notre ancien village est sous l'eau. Les unes après les autres, les îles des Sundarbans sont englouties. Quatre d'entre elles ont déjà été rayées de la carte. Ma maison est aujourd'hui sur cette île. J'y habite avec ma femme et mes trois enfants. Entre 500 et 700 familles ont déjà déménagé. Maintenant, cette île est aussi en péril. À chaque marée haute, notre île est submergée. On a bien du mal à survivre. Dans le golfe du Bengale, les effets du réchauffement climatique sont bien visibles. Chaque île que nous croisons est touchée par la montée inexorable du niveau de la mer. Pour le capitaine Pramanik, son nouveau domicile a des allures de provisoire, comme s'il était couru d'avance que l'île finisse par sombrer. Dans sa maison, ils sont trois familles à se partager cinq petites pièces. Il faut agrandir, mais est-ce bien utile ? Ici, tous s'accrochent avec l'énergie du désespoir, convaincus qu'un jour ou l'autre, les autorités finiront par se rendre compte du drame qui se joue à Goramara. Si on voit un ministre, on va d'abord lui demander de protéger notre île. On lui demandera aussi une clinique, de l'eau potable et une nouvelle école. Le compte à rebours a déjà commencé. Sur l'île de Goramara, la majorité des terres est sous l'eau. Les digues sont saignées par la mer. Sur les 12 000 habitants que comptait l'île, il n'en reste que la moitié, à peine. Regardez ça. Le village allait très loin avant. Avancez un peu. C'est le cyclone Ayla qui a tout ravagé. Et chaque année, l'eau salée envahit toutes les terres agricoles. Là, c'est le golfe du Bengale. Les vagues arrivent jusqu'ici. On avait installé des protections, mais la mer emporte tout. Avant, le village allait jusqu'au bateau, là-bas, au large. «
Fin mai 2009, le cyclone Ayla balaie la région des Sundarbans. Des rafales à plus de 200 km/h, des vagues de 8 mètres. Les dégâts sont considérables. 300 villages auraient été détruits en quelques heures. Des milliers de sans-abri. Il y aurait plus de 70 morts. À chaque cyclone, la peur s'engouffre de nouveau dans les îles. J'ai peur. À chaque inondation, l'eau rentre là. Et l'eau monte jusqu'où ? Jusqu'ici. Et que faites-vous ? On se réfugie sur la digue. Vous ne voulez pas partir ? Où voulez-vous que j'aille ? Où ? Dites-moi. Dans une île, plus sûre ? Oui, j'aimerais bien y aller. Mais sans argent, comment pourrais-je vivre ? L'archipel compte une centaine d'îles. Avec le capitaine Pramanik, nous partons sur la plus grande d'entre elles. Nous sommes à Ganga Sagar. Ses berges sont également érodées. L'eau s'infiltre partout. Chaque année, l'endroit draine des milliers de pèlerins qui privilégient ce cadre propice aux prières et aux ablutions. Mais le temple a aussi subi l'assaut des vagues. Détruit à 3 reprises, il est à chaque fois reconstruit à l'identique. Plus loin, les restes de l'ancien phare. Dans cette île de 300 km² vivent 160 000 habitants environ. Aucune île n'est un sanctuaire. Dans le golfe du Bengale, l'eau monte chaque année de 3,9 mm, contre une moyenne de 2 mm dans les autres océans. L'eau est arrivée jusqu'ici. C'était de grandes vagues. On ne peut plus vivre ici. Que peut-on faire ? Comment avez-vous perdu votre maison ? À cause du cyclone Ayla. Il y a eu de grosses inondations. Vous avez peur ? Bien sûr que j'ai peur. Que peut-on faire ? On est obligé de se réfugier dans les bâtiments publics. On est pauvre. On ne peut rien faire. J'ai peur pour l'avenir de mes enfants. On n'a pas de terre. On n'a rien. Un jour ou l'autre, il le sait, comme des milliers d'habitants avant lui, il devra déménager. Il rejoindra alors ses dizaines de familles regroupées à l'intérieur de l'île. Dans ce lieu au nom si évocateur, fleur de lotus. Mais ici, la vie n'a rien de bucolique. Contraints de fuir leur île submergée par les eaux, ils ont trouvé refuge dans ce lieu, abandonné de tous. Leur campement provisoire dure pour certains depuis plus de 7 ans. En remontant le fleuve vers le nord, nous allons voir que les aléas climatiques provoquent des situations de plus en plus dramatiques. Sur la route, nous assistons à un rite funéraire. La crémation est pratiquée par une majorité d'hindous. Les cendres des défunts sont rejetées dans le Gange. Une question s'impose alors, combien de morts ? Combien de drames les changements climatiques ont-ils déjà provoqué ? Combien de victimes à venir ? Dans cette région du monde,
les experts ne sont pas très optimistes. Notre dernière étape nous entraîne à la frontière entre l'Inde et le Bangladesh. Nous sommes dans l'état du West Bengal, à moins de 100 km de Calcutta. Une vie a priori paisible. Ici, ce sont en majorité des paysans. Leurs terres sont situées dans une zone tampon entre les deux pays. Une zone sous haute tension. Chaque jour, ils sont des dizaines de Bangladeshis à franchir la frontière dans l'illégalité. Ils fuient la pauvreté et les cyclones. Le dernier en date, novembre 2007. Sider frappe le sud du Bangladesh. Plus de 3000 morts recensés et des dégâts considérables. Les cultures sont inondées. Des milliers de personnes se réfugient ici, en Inde. Le flux est continu. Depuis 2001, l'Inde tente de se barricader. Tout au long de cette frontière, elle installe des barbelés. Deux de ces hommes sont d'anciens paramilitaires qui appartenaient au BSF, l'unité indienne de garde frontière. Là, vous avez le Bangladesh et de ce côté, l'Inde. C'est tranquille, ici? Non, la situation est plutôt tendue. Dangereuse? Oui, très dangereuse. Vraiment dangereuse? Pourquoi? Il y a beaucoup de tirs. Et donc, beaucoup de morts. Depuis le début de l'année, on dénombre entre 20 et 25 morts. Là, c'est un mirador, un point d'observation. Où? Là-bas. Et il y en a d'autres? Oui, là-bas. Et un peu plus loin. Tous les jours, de 6h du soir à 6h du matin, la région est sous couvre-feu. Interdiction d'approcher. Le mur de barbelés court sur plus de 2500 km. Dans cette région, 85 000 hommes appartenant au BSF patrouillent, de jour comme de nuit. Voici l'une de leurs vidéos qui montre leurs activités. Leur mission, empêcher toute immigration clandestine et l'arrivée sur leur sol de terroristes islamistes. Depuis 1990, les responsables des BSF affirment que près de 1500 gardes-frontières ont été tués. Ils auraient abattu près de 5000 militants extrémistes. Une guerre sans merci où des centaines de civils meurent également. Toute la région autour de cette frontière est donc sous haute tension. Dès la mise en place du couvre-feu, les gardes-frontières peuvent tirer sans sommation. Ici, il n'y a pas un habitant qui n'ait été touché dans sa chair. Chacun a son dossier, la photo de son fils, de son père, de son oncle ou de son frère. C'est qui? C'est mon fils. Il rentrait de son champ et les gardes frontières lui ont tiré dessus. Il est mort? Oui, il est mort. Mon fils, ce sont aussi les gardes frontières qui l'ont abattu. Je suis allé me baigner. Il y avait juste à côté des contrebandiers qui faisaient passer des buffles et des vaches. La BSF a commencé à tirer sur les trafiquants. Et la BSF t'a pris pour un contrebandier? Non, j'ai reçu une balle perdue. Montrez-moi.
La balle a traversé mon corps. Elle est entrée par ici et elle est sortie par là. Beaucoup d'habitants dans ces villages ont été torturés par les gardes frontières. Certains ont perdu leur fils ou des membres de leur famille. Pour moi, la BSF est la seule responsable de ces violences. Personnellement, je trouve que ce n'est pas juste. Ce n'est pas bien de tuer les gens comme ça. On a porté plainte, on est allé de commissariat en commissariat. Les gardes frontières ont-ils été poursuivis ou punis ? Non. Qui sont ces victimes ? Des passeurs, des contrebandiers, des civils innocents, indiens ou réfugiés du Bangladesh. Aucun ici n'avouera venir de ce pays. Les autorités indiennes font la chasse aux clandestins. Mais difficile de les identifier. Des deux côtés de la frontière, on parle la même langue, le bengali. Nous avons tenté de rencontrer les responsables des BSF. Ils ont refusé tout entretien. On nous dira juste que c'est le prix à payer pour éviter toute infiltration de terroristes ou de clandestins. Dans chaque village que nous traversons, nous rencontrons d'autres personnes qui, elles aussi, ont perdu un membre de leur famille. Et nous ne sommes pas au bout de nos surprises. Les changements climatiques poussent des milliers de Bangladeshis à venir tenter leur chance en Inde. Mais le passage de la frontière est à haut risque. Et une fois de l'autre côté, leur vie peut de nouveau basculer dans l'horreur. Ces femmes, par exemple, ont échoué dans un quartier de prostituées. On les appelle ici les prostituées de la misère. Dans ce village, elles seraient plus de 500. Voici leur histoire. Le Bangladesh est un pays très bas qui est souvent inondé. Là-bas, il y a beaucoup de paysans. Nous, avant, on avait très peu de champs. Des champs de riz et des légumes. Chaque année, ou presque, au moment de la récolte, les plantations étaient inondées. J'ai donc décidé de venir ici. Les gardes frontières nous ont emmenés dans leur base. Ils refusaient de nous laisser passer la frontière. En fait, ils nous ont emmenés dans trois petites cabanes. C'est là où ils travaillent. Pour nous laisser passer, ils nous ont violés. Ensuite, ils nous ont remises entre les mains de notre passeur. Moi, ils m'ont brûlée avec une cigarette. Juste là. Entre les cuisses. Dans cette maison qui appartient à leur proxénète, elles attendent leurs clients. Des chauffeurs de camions, des paysans ou des hommes d'affaires de passage. Ces femmes sont toutes du Bangladesh, toutes musulmanes. Parmi elles, leur machi, c'est leur chef. Est-ce qu'il t'arrive de faire venir des filles du Bangladesh ? Oui, quand on leur dit qu'on gagne bien notre vie, alors elles aussi, elles veulent venir en Inde. Ensuite, on s'entraide. Si elles gagnent 400 ou 500 roupies par passe, elles m'en donnent la moitié. 500 roupies, soit moins de 8 euros la passe. Combien de filles avez-vous déjà fait venir ? Les deux dernières années, entre 150 et 200 filles. Un réseau de prostitution s'est mis en place autour de cette zone frontalière. Chaque année, entre 10 et 20 000 femmes et enfants du Bangladesh sont victimes de ce trafic. Aloua Mitra tente de lutter contre ce commerce d'êtres humains. Vous allez bien ? Comment ça va, toi ? Je vous avais dit que je viendrais. Dans chaque village où il y a une majorité de clandestins, elle organise ce type de réunion. Sur les affiches,
le message qu'elle martèle à longueur de temps. Votre enfant n'est pas un objet. Ou encore, arrêtez le trafic des filles. Ne laissez pas vos filles partir avec des inconnus. Bonjour à toutes. Vous allez bien? Les trafiquants opèrent toujours de la même manière. Ils offrent un travail et ensuite ils les vendent. D'abord, ils les font travailler 2 ou 3 mois et après, les filles disparaissent. Ils disent alors qu'elles sont parties avec un garçon. En réalité, ils les ont vendues dans un bordel. À ce moment-là, il est déjà trop tard. Aloua Mitra et ses équipes parviennent tout de même à sauver des dizaines de jeunes Bangladeshis des mains des trafiquants. Elle leur apprend alors un métier. Mais les flux migratoires ne vont pas s'arrêter du jour au lendemain. À l'annonce d'un nouveau cyclone ou d'une catastrophe climatique, Aloua Mitra sait qu'ils seront nombreux à tenter leur chance, à traverser la frontière pour cet Eldorado virtuel. Fataliste, elle ne se fait aucune illusion. Son action est juste une goutte d'eau dans le Gange. Les experts du GIEC estiment qu'avant 2050, il y aura dans cette région du monde des millions, peut-être des dizaines de millions de réfugiés climatiques. Barma ji ke kamal.